Bonjour, je m'appelle Samy Madi, j'ai 36 ans et je suis ingénieur géotechnicien spécialisé dans les travaux souterrains. Je suis Omar Michou, je suis directeur de pôle travaux dans l'unité infra. Depuis 2019, je travaille sur le projet de la ligne 16 du Grand Paris Express. Cette ligne avec d'autres lignes du Grand Paris Express vont former une rocade autour de Paris. Il représente 29 km de métro automatique. Il desservira 10 gares pour 200 000 voyageurs quotidiens. Tractebel intervient en tant qu'ingénierie, en consortium avec une autre ingénierie. Depuis 2014, qui a marqué le début des études, jusqu'à aujourd'hui, en passant par un début des travaux en 2018. Mon rôle en tant que maître d'œuvre sur la partie travaux, tunnel, c'est de m'assurer que le contrat il est respecté sur cette tranche de travaux, aussi bien sur les parties techniques, mais aussi sur les parties contractuelles. Et sur cette partie contractuelle, moi je suis les yeux d'Omar sur ce projet-là. Ma mission est de superviser plusieurs compétences à travers plusieurs managers, parmi eux Samy, qui s'occupe de la partie tunnel. Mais j'ai d'autres managers qui gèrent la partie construction des gares, des ouvrages annexes, etc. Mon rôle principal sur ce projet est d'interagir avec le client, satisfaire ses demandes et ses besoins, et puis aussi discuter avec les entreprises qui construisent le projet. Ce que j'aime particulièrement, plusieurs choses, la complexité des sujets à résoudre. J'ai une équipe très motivée, on aime bien les défis. C'est une grande fierté de travailler sur ce projet-là, de cette envergure-là et d'apporter notre pierre à l'édifice. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est aussi travailler en équipe. On travaille sous pression, l'équipe c'est notre famille sur le projet. Et donc quand l'équipe va pas bien, c'est à nous de la motiver, de la tirer en avant. Quand nous, on a un coup de mou, c'est l'équipe qui nous porte et qui nous fait avancer. L'acquisition de compétences, à la fois pour soi, pour le reste de notre propre carrière, mais aussi c'est des compétences qu'on valorise et qu'on peut transmettre aux nouvelles générations. Et c'est en ça que ça permet de faire grandir nous-mêmes, mais aussi l'entreprise Tractebel. C'est une réalisation inédite en France à cette échelle et l'enjeu majeur pour notre client, la Société du Grand Paris, est la construction de ce projet avec un objectif de bas carbone. C'est une ligne qui va desservir toutes les communes du 93, de Saint-Denis jusqu'à Noisy-Champs. Très concrètement, ça va transformer le réseau aujourd'hui, qui est un réseau en étoile, en un réseau hybride, étoile plus rocade, en connectant les extrémités de toutes les lignes qui existent déjà à cette rocade du Grand Paris Express. Dans l'objectif de simplifier les transports en Ile-de-France. Pas vraiment de journée type. On a beaucoup de tâches, à la fois des tâches très techniques, mais aussi des tâches de reporting et des tâches de management et de partage des informations au sein de l'équipe. Pas de routine, si vous cherchez les challenges et si vous avez peur de vous ennuyer, venez en travaux, vous n'aurez jamais deux journées qui se ressembleront. Ce que j'apprécie, sa renommée, l'empreinte internationale. On a une expertise très pointue, très reconnue par les confrères. On les écoute, je le constate au quotidien avec les clients, avec les entreprises. Donc je suis très, très fier de porter la marque Tractebel. Ce que j'apprécie également énormément chez Tractebel, c'est toutes les opportunités qui s'offrent à nous, à la fois en termes d'évolution de carrière, de projets, de mobilité géographique. Il y a tant de projets à découvrir et d'équipes, de personnes à découvrir que c'est la meilleure manière de créer le Tractebel, de bâtir le Tractebel de demain.